Yes, salut les amis, c'est Famille, ça va, y'a comment est-ce qu'ils vont? Allez, c'est parti, on sort du magasin. Moi, je vous ai passé le cas de. Enfin, le coup de regarder comment ce que j'achète, parce que je me suis fait 50 fois au moins, j'ai acheté un truc, il y a un petit crameur là, et ça voulait pas s'acheter. Bref, on a pris un petit merlot, voilà, ça va aussi bien que ça. Et on va donc tenter de charger. Putain, ça fait un moment que j'ai pas chargé comme ça à l'ancienne. Donc nos bottes, et puis on va voir ce que ça va donner. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien comme d'habitude. Bon, pour ne rien vous cacher, vous l'avez compris, cette vidéo est tournée à la suite de l'autre, hein, on est bien d'accord. Et on va essayer de charger des balles. Putain, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait ça. On va voir si on est encore bon à le faire, parce que c'était une activité que j'aimais beaucoup faire à l'époque. Hop, voilà, allez, parce qu'après c'est vrai qu'il faut être honnête. Quand il y a moyen de les charger en autoload, bah, on est un peu tous pareils, on est un peu tous des feignasses, enfin, en tout cas moi le premier, ça c'est sûr. C'est quand même plus sympa de le faire à l'autoload. T'arrives là-bas, bam, tu charges, tu passes comme ça, il n'y a rien à faire. Mais c'est aussi ça l'avantage de charger. Alors putain, j'aurais dû peut-être la piquer de côté, enfin je sais pas trop. On va essayer de faire comme ça et de... Putain, ça va être la merde. Je sens que ça va être la merde, mais bon, bref, c'est pas bien grave. On est là pour s'amuser, on est là pour se marrer, c'est ça le principal. Ça va pas être très beau, hein. Ça va pas être très beau. Qu'est-ce que ça dit? Oh putain, laisse tomber. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est pas mal comme ça. Vas-y, pousse voir. Pousse dans, voilà. Enfin, ça vaut l'occasion de parler. Non, baisse. Baisse dans, pousse dans. Bon, ouais, bah, écoute, c'est un peu en travers, mais bon, on s'en fout, à la limite. Le principal, c'est que ça tienne sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui traînent par là ou pas du tout? Non, il n'y en a pas qui traînent par là. Je pensais qu'il y en avait une qui était cachée, là, vite fait, dans l'ombre, mais même pas. Rien de caché dans l'ombre, donc c'est tant mieux. On va aller récupérer celle-ci, on va se mettre de l'autre côté. Et on va voir ce que ça va donner. Idéalement, hop, comme ça. Je sais même pas si ça va rentrer deux en travers comme ça. Ouais, c'est quand même, faut pas exagérer. Ouais, pas déconner quand même. Alors, attends, voir. Est-ce qu'on arrive à en foutre une en travers comme ça, sans tout foutre par terre de l'autre côté? Et si on pousse un petit peu, chouïa. Voilà, tac, tranquille, on baisse. On lâche. Eh, c'est pas dégueulasse, hein. Je sais pas ce que t'en dis, mon colo, mais regarde ça, ça a l'air pas dégueulasse. On va récupérer les trois autres, puisqu'il en reste trois. Il y en a pas qui sont perdus là-bas au milieu de la pampa, non, c'est bon. Idéalement, j'aimerais bien en attraper deux d'un coup, hein, comme ça, vite, on fait une pierre deux coups, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, hop, on va faire comme ça, et avec un peu de bol, on arrive à choper l'autre en même temps. Mais je suis pas certain, parce que la première a été piquée légèrement de travers, donc je sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça dit? Alors, attends, voir. Forcément, si déjà... Voilà, allez, ça a l'air d'être piqué, c'est déjà le principal. Maintenant c'est piqué, elle va te chier, comment dire. On aurait pu utiliser effectivement une pique aussi, un pique, comment dire, autoload. Mais j'y voyais un peu mal barré. Par contre, il penche un peu mon plateau, hein. Il est vachement haut là-bas. Alors qu'est-ce que ça dit? On va essayer de se foutre comme ça en travers. Putain, si on arrive à charger un plateau à peu près pas trop crado. Par contre là, on va essayer de se caler un peu mieux. Histoire que ça soit pas trop en travers. Là, on est bien, on n'est pas bien. Ouais, ça a l'air d'être bien. Alors qu'est-ce que ça dit? On va faire comme ça, on va faire comme ça. Ça a l'air d'être appuyé. Bah écoute, c'est pas mal ça. Et il en manquait une, voilà. Il me semblait qu'elle était là-bas. Et on va tranquillement aller. On va utiliser le... Follow me, follow me. Putain, ça fait 1000 ans que j'avais pas utilisé ce truc, le follow me. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de... Un petit mode qui vous permet de faire suivre un tracteur derrière le premier où vous êtes, tout simplement. Il faut juste pas le semer. Sinon, il vous perd et après, c'est le bordel. Et ça vous permet d'utiliser, enfin d'emmener deux tracteurs en même temps. Et deux et plus, d'ailleurs, hein, ça se limite pas. D'ailleurs, j'ai jamais fait le test, mais je crois qu'on peut en mettre deux, trois, quatre. 3 c'est certain, après au-delà je sais pas s'il y a une, je sais pas, on va aller le foutre de l'autre côté celle-ci, ouais, ça on en aura 3, ça sera plutôt équilibré, on va y mettre des sangles pour pas que ça se casse la gueule, on aurait pu mettre des sangles entre chaque truc, mais bon après ça commence à être chiant, idéalement je voudrais bien pousser celle-là d'abord, histoire de, tu vois ce que je veux dire, regarde, histoire d'être un peu plus clair, pff, voilà. Donc là on est pas mal, les deux derrière, les 4 derrière sont pas mal, là à côté après c'est un peu pourri, mais on va... Tâcher de... Parce que le truc, c'est que tu essayes parfois de refaire un peu, de remettre à plat, sauf que tu fais pire que ce que c'était avant. Alors, t'es arrivé. Ok, on est bien. Tac, on est bon. Hop, on plaque et on dessert ici. Attends, on va juste mettre un coup. Putain, je suis relou avec ça, mais j'aime trop. J'aime trop quand les plateaux sont hyper bien rangés. Ça me fait rêvasser. Voilà. Demi-molle, bien évidemment. Chaîne du Peggy 69. Et à la limite, on peut pas le faire avec la main. Sans tout foutre par terre. Si, non. Qu'est-ce que ça dit si on faisait juste comme ça? Là. Hop, c'est pas mal là. Allez, fous-y une sangle. R, ouais, c'est bien. Là, on peut y foutre une sangle en travers. R, on est bien. Et une sangle en travers. R, on est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Hein. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire suivre le tracteur. Donc on va faire comme ça. On va y mettre le gyropute. On va se coller au... Eh, franchement, c'est pas crado, hein. On va aller en chercher d'autres là-bas, bien évidemment. Ça suit la vidéo précédente. Donc vous savez qu'il y avait deux champs.
On va faire comme ça. Hop, là, arrête-toi mon colo. On va faire CTRL F. On est plutôt pas mal. À distance du meneur 10, c'est bien. On va monter dedans. Et le Maurice a l'air d'être en place. Donc on va faire comme ça. Oh putain, hein, le truc. Voilà. Allez, vas-y voir. T'es là, Maurice? Allez, Maurice, tu suis. On se lance. Hein. On n'a pas le temps. Il faut qu'on y aille. Il n'y a pas le temps de niaiser ici, là. Les Québécois, tabernacle. Et ouais, les cousins québécois. On salue bien évidemment tous ceux qui nous regardent depuis les territoires, bah, les îles. Hein. J'ai parfois la Réunion, Martinique, etc. Tout ce qui est parti Guadeloupe, bah, je l'ai dit, Martinique, super. Ce que je voulais dire, c'était les Québécois, nos cousins québécois de l'autre côté de l'océan, bien évidemment. Salut, Poupé. Hop là, ça, on n'a pas vu. La sportive, bonjour. Ok, t'es toujours là, Maurice? Eh, hey, Maurice! Qu'est-ce qu'il fait, Maurice? Oh, putain, il s'est méplanté, là-bas. Oh, putain, Maurice, qu'est-ce que t'as foutu? Ça tourne pas, là, avec cet engin, là? Oh, putain, ce bazar. Putain, je sais même pas si ça va faire. Il est quoi? Il est planté? Ouais, ok, bon. Ok, il s'est planté. C'est un peu serré pour Maurice, là. Enfin, j'aurais peut-être dû écarter. Enfin, je sais pas ce que j'aurais dû faire, d'ailleurs. D'ailleurs, on va peut-être être dans la merde. On va peut-être passer ailleurs que ici. Maurice, regarde, tu faisais de tourner, oh, qu'est-ce que t'as foutu? Allez, connasse, pousse-toi. Ok, bon, c'est pas grave, un petit fail du... Bon, le follow me, c'est bien, mais quand ça marche bien, effectivement, dans les petites contrées, les petits travers comme ça... putain. Allez, hop, on le remet en place, ça a l'air d'être bon, il nous a détecté, on est reparti. Allez, Maurice, tu suis maintenant, hein, tu fais pas le con. Voilà, c'est bien. Allez, donc on a dit qu'on passait par là, putain, je sais pas comment ça va se passer encore là-bas. Là, j'espère que les panneaux sont pas en collision, parce que sinon, ce qu'on a, ils vont encore tous planter. Ok, allez, c'est bon, t'es là, Maurice? Ok, ça a l'air de faire. Oh là là, la patate, oh, le merlot! Adieu, au revoir! Oh. Allez, c'est parti, prenons de l'élan! Allez, dépêche-toi, putain, ça se traîne, ces vidéos, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien! Non, je déconne, bien évidemment. Vous savez que j'aime bien être à 1000 à l'heure. Les vidéos, ça va, il n'y a pas le temps de s'emmerder, enfin, je crois pas, en tout cas, hein, d'ailleurs. Hein. Et on essaye de hop 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 donner un peu de vie, putain, et des fois je regarde des youtubeurs, c'est des mots, c'est mou, putain, et les gars, oh, donner un peu de... Ah putain, non, là, le tir encore arrivé. Stop, Maurice, voilà, arrête, oh putain, Maurice, oh là là, il pousse en plus, arrête, mais qu'est-ce que tu fais, arrête, oh là là. Bon, et bah écoutez, deuxième catastrophe, ce que j'ai envie de te dire, mon cono, c'est que je vais le faire moi à la main, voilà. Comme là, voilà. Pour ceux qui ont compris, on fait à la main, c'est toujours mieux, voilà. Et je me suis pas payé l'arbre, là, comme ça, dans la dernière vidéo, exactement de la même manière. Pourquoi l'arbre est complètement décalé, là? Fais chier, pas de chip. Bon, allez, hop, on va se poser là. On va enlever les sangles. On se fout à peu près par là. Voilà, on va enlever les sangles. Normalement, c'est... on a mis les sangles, on les a enlevés. Ok, tu coupes tout, tu t'arrêtes. On va switcher... Ah, merde, hop, on était bien. On va switcher, redans le merlot. J'adore... Oula. Ouh, voilà, j'adore ce petit chargeur, moi, le merlot, je sais pas pour vous, le classe du DLC aussi est très sympa, j'aime beaucoup, donc ça fait plaisir d'avoir des petits mods plutôt sympas comme ça. Idéalement, on essaye d'en choper une ou deux, ouais, on va faire une, on va pas se prendre la tête, on va la prendre sur le côté gauche pour pouvoir la mettre de ce côté-là, regarde, arrête, ah putain, je l'ai pris là, ah ouais, c'est piqué à moitié à côté, mais c'est pas grave, ça tient quand même. On va essayer d'être intelligent pour une fois, hein. Je dis bien pour une fois, faut quand même pas exagérer. On n'est pas allé pour faire les vidéos à la type Einstein, on est d'accord. Hop, il est trop loin. Qu'est-ce que ça dit si je te pose là et si je te... Hop, on pousserait les... Oh, ben. Ah putain, ça y est, j'en étais sûr, c'est le bordel. Langage fleuri, comme d'habitude, hop, voilà, tac. Avec un peu de bol, tu restes là, tu fais plaisir chérie, on est bon, allez, on continue. On va faire la même chose, on va attraper celle-ci, parce que celle-ci est un peu mal placée pour moi. On reviendra la chercher après. On va faire de la même manière, sauf que là, regarde l'intelligent, on va la foutre de l'autre côté. Putain, la classe. Oh, le mec, il réfléchit au moins une seconde dans son cerveau. Hop, allez, on va faire pareil. Oh, putain. Et franchement, les gars, et sans autoload, hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, putain, cette bête. Je pique là à côté? Non, c'est une pièce. Oh, putain, il faut que je me décale. Je pensais qu'on passait à travers un petit peu le plateau, là, c'est le pic qui passe à... Alors on devrait arriver à passer. Voilà, t'inquiète, ça va bien se passer, tout va bien se passer. Allez, hop, eh ben, on est niqué, hein. On peut pas faire mieux que ça. Hop là, allez, c'est pas mal. On va récupérer, on va commencer à monter le deuxième étage, je sais pas ce que vous en pensez, on prend des risques, on se fait plaisir. Allez, on prend des risques, on se fait plaisir, c'est parti. On va monter le deuxième étage, alors idéalement, non, on va les faire quand même une par une. On va faire pareil. Par contre, là, je me suis pris comme un manche. On va être obligé de faire de la manœuvre. Allez, on va faire de la manœuvre. On va les empiler correctement. Ça
C'est-à-dire qu'on va la foutre là. J'aurais bien voulu la foutre derrière pour gagner une place, mais j'y vois un peu mal. J'y vois un peu mal. Donc on va faire juste comme ça légèrement. Voilà. Et là, normalement, ça a l'air plutôt. Oh là 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 là. Et on est bon, hein. On est bon, on est bon, on est bon. Je sais pas ce que vous avez. Et je vous demande la note, hein, les amis. La note dans les commentaires. Je veux voir des notes. Il peut la piquer au milieu, c'est pas bien grave. Ah putain, elle est de travers. Chier. Idéalement, il fallait quand même les piquer droite. C'est quand même plus pratique à l'arrivée. Hop. Donc la petite note, allez, on dit une note sur. Allez, une note sur 10. Hein. Laissez le petit commentaire comme d'habitude. Si vous avez envie de laisser le commentaire, il n'y a pas d'obligation, on est bien d'accord. Et puis vous me glissez une petite note. Voilà, on fera la moyenne. On regardera finalement sur le plateau la note moyenne accordée par les conos. Au plus grand des conos. Voilà, on est pas mal. Ouais, un peu décalé, mais c'est pas grave. Ça fait quand même assez propre. Ah, on peut pas non plus être parfait. Hein. On peut pas faire ça comme un plateau autoroute. On est bien d'accord, vous l'aurez bien compris. C'est quand même pas facile. Mais je trouve qu'on s'en dépatouille pas trop mal. Et c'est vrai, comme je le disais précédemment, c'est vraiment une activité que moi j'ai toujours kiffé faire. Charger les plateaux, ça bouffe du temps. Hein. Je vous dis tout de suite, là vous prenez du temps à charger vos plateaux. Mais au moins, on fait ça. Alors on va pas dire ça IRL, mais enfin, on fait ça ni RP, on est bien d'accord. Hop, on est bien. Ah, par contre, c'est de la baisse là. C'est de la baisse parce que je peux pas baisser. Alors on va aller de l'autre côté. Parce qu'on a dit qu'on réfléchissait, mais pas trop longtemps. Donc voilà, on a réfléchi un petit moment avant. Et puis là, résultat des courses, on a arrêté de réfléchir quoi. Voilà, on est bien. Allez, on va essayer de se caler là. Tranquillouze. Qu'est-ce que ça dit là? On est pas mal, hein. On est pas mal. Hop. On pique. On se casse. Je vais essayer d'en prendre deux d'un coup. Ouhou, là là, attention, on prend des risques. On continue à prendre des risques. Alors, on va essayer de se bien se placer. On va prendre celui-là correctement là. Voilà. Et on va essayer de prendre sa voisine ici. Et on va essayer d'en coller deux d'un coup. Que je voudrais vraiment compléter le chariot avant de, bah de terminer la vidéo pour que vous puissiez laisser cette note. Ah, qu'est-ce que c'est? Le mec il pique. Eh, hey, change de caméra mon colo. Tu vois rien du tout quoi, Miro. Ah, fais chier, pas piquer comme il faut. Oh, pas piquer des verres, hein. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Alors, on va pas arriver à piquer deux d'un coup. Moi qui voulais gagner du temps, j'en perds. Mais bon, ça, c'est pas étonnant. Alors, attends, voilà. Tac, tac, tac. Non, non, à chaque fois je vais me faire niquer. Allez, casse les couilles, c'est pas vrai ça. Décale-toi alors, ça va pas. Oh Maurice, allez. Oh putain, puis j'arrive pas à la piquer. Bon allez, ça va les couilles, on va en faire une par une parce que sinon franchement ça va mettre 8 jours. Et ça va me prendre la tête, je suis meilleur une par une. Bon, meilleur ou pas, hein, ça dépend. Ça dépend comment on le voit. Voilà, on va foutre ça là. Regarde, t'arrives là, t'en mets une et finalement, je te dis, tu gagnes du temps à en mettre qu'une à la fois. Hein. Voilà, on est bien. Allez, on va chercher une petite dernière. Allez, encore deux et on est bon. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Encore deux et on a fait un plutôt joli plateau. Je pense que c'est plutôt pas crado. Enfin, en tout cas, pas trop crado. Voilà, c'est ça l'idée. Hop, on va aller de l'autre côté. Puisqu'on a piqué gauche, on va côté là. Hein, t'as compris? T'as compris le principe? Voilà, tout bête. Après, c'est vrai que c'est dommage, on aurait pu en... Je sais pas si on aurait pu en foutre encore en longueur, mais bon. Pas grave, on a fait comme ça. On est plutôt pas mal. Ouais, c'est bon. Tac. Ok, putain, j'étais en train d'escalader. Eh, franchement, de loin, hein, ça a presque de la gueule. Hein. Je sais pas ce que t'en dis. Moi, je me mets 10 sur 10. Non, la perfection n'existe pas. On est bien d'accord. Mais je pense qu'un petit 8 sur 10, c'est honnête. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais après, chacun est libre voilà, de mettre la note qu'il veut. Il y aura certainement des conos qui vont mettre 0. Hein, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Après, ceux-là, ils sont pas honnêtes. Hein. Franchement, les mecs, si vous mettez des zéros, vous êtes pas honnête. Vous êtes des salauds, bande de salauds. Voilà. Allez, on est bon. On va essayer de foutre la dernière, à peu près droite, parce qu'elle est piquée de traviole. Voilà. Et voilà. Alors, franchement, on va aller. On va couper, on va pas se faire chier. Voilà. Et on va jeter un œil. Donc, franchement, de profil comme ça. Alors, comme ça, c'est plutôt propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Vue arrière. C'est plutôt pas mal, on est légèrement décentré ici, mais bon, ça va, ça dépasse pas trop non plus. Ici, ça va aussi à peu près. Bon, bah voilà, on s'arrête là. Comme je vous ai dit, le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment, je terminerai moi de mon côté. On va simplement y foutre, tac, les sangles. Est-ce qu'on arrive à foutre les sangles? Ouais, foutre les sangles, tranquille. Petite sangle, tranquille. Petite sangle, tranquille. Et une au fond, tranquille. Voilà. C'est plutôt, voilà, c'est serré en tout cas. On est plutôt bien, voilà. Et la petite top sur 10, c'est cadeau, c'est bonjour, c'est savoyard. Merci, à très bientôt, ciao, bye bye.